Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Alex59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Legend of Kai épisode 15, si je ne me trompe pas. Ouais, non, c'est épisode 5, ouais, c'est ça. Si on se rappelle bien, la dernière fois, on est arrivé au port. Au port, et oui, on est arrivé au port. Il vient de tomber dans l'eau, bravo. Je pense qu'il va mourir. Il ne faut pas remonter ici. Et si vous vous rappelez bien, donc du coup la dernière fois on était arrivé au port et du coup on avait découvert plein de choses sur l'aventure. Du coup, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que on va peut-être affronter Tac, la chimistera. Ce serait vraiment cool hein, parce que franchement on attend que ça depuis longtemps, depuis qu'on l'a rencontré chez le vieux quoi. Ok, donc du coup on va essayer d'avancer aujourd'hui à notre façon. Ah. Bonjour le rongeur. Attendez. Ok, on va essayer d'éliminer mon verre là. Ouais, nickel. Ok, nickel. Donc ça y est, on est dans le repère des rôles, du coup on va pouvoir éliminer enfin le fameux Tac. Celui qui a me... de vouloir foutre la merde avec Sean. Ce qui se passe, c'est que Sean, il s'en bat les couilles du roi. Lui, ce qu'il veut, c'est faire son truc à lui. Mais bon, on dirait que le roi en empêche, donc du coup, il va sûrement essayer de lui mettre un petit coup de Trafalgar dans les côtes. Au calme. Ok, il n'y a rien. Ici, il y a une cellule, je sais pas s'il y a un truc dedans. Oh, c'est nickel, il y a plein de trucs hein, ici. Faut faire attention au port. Ok. Ah non, un autre chemin par là. Je sais pas si vous avez vu. Ici, il y a un autre chemin. Ouais, regardez. On va y aller. D'accord, il y avait deux chemins. Oh, je me suis dit peut-être qu'il y a un chemin qui ramenait un coffre et qu'on n'avait pas vu à l'aller. Ok, ça nous ramène ici. Un panda. Bonjour. Monsieur le panda. L'avalanche te sera éternellement reconnaissant, jeune guerrier. Je m'en vais rejoindre mes frères et sœurs et leur compter tes bons faits. Longue vie à toi, Kay. Merci à toi, le panda. J'ai pas eu ton pseudo. C'est vrai qu'ils ont des pseudos, tu sais. Et une grenouille. Nonchalement, toi, monsieur, sauvé, mais moi également. T'as dû être parti de grenouille village. Ouais. Ils ont tendu une embuscade à nous et ont entraîné certaines d'entre nous jusqu'ici. Si je étais toi, je serais extrêmement. Ouais, t'inquiète, je suis prudent. Bon, les gars, c'est pas une menace, t'inquiète moi. La seule menace actuellement que j'ai, c'est affronter Tac et son confrère. Ouh, ici c'est une cage avec plein de monstres. Ouais. Ici c'est très dur, hein, je pense. Ok, passons avec deux portes qui sont ouvertes, donc il y en a encore deux autres. Ouais, un piège. Allez, voilà. Voilà bien dit. Oh, prends pas trop vite. Que je vais le faire, grosse banane. Viens donc, je suis prêt. Tu faisais un peu trop provoquer, frère. Voilà. Je l'avais dit. Bon, je l'avais dit qu'il avait un peu trop provoqué, frère. Ok, je vais faire la bonne technique. Alors, quel problème?
Ok. Tourne tes griffes encore. Oh oui, il faut faire ça avec les griffes, vous voyez. Tu dégages. Ah ouais, je fais nappe. Ok. Bon, pour l'instant, je crois que c'est la première phase de cette arène. Je pense que Renou Conducteur, elle a vu le. Avec le volcan. Je pense qu'elle l'a vu. Ok, on va essayer d'éliminer lui. Oh nickel. Bon, c'est pas fini. Hein. Allez, vous attend. Ah si. Si c'était une zone très très compliquée, non même pas du tout. Ok, donc là c'est quoi, c'est des portes ou... Non, d'accord, c'est juste des zones de... Ok. Pareil pour ici. Ok. Bon, on continue. C'est parti. L'ascenseur. Le chat est ici. Lui, rattrapé. Wow. Le chat est ici. Lui, rattrapé. Un chat? Le chat. Filo. Ok. Il s'enfuit. Ok, il s'enfuit, ils vont. D'accord, ils nous montrent pas la route en vrai. Lui attraper Filon. Ah ouais, à mon avis, les rats commencent à flipper de moi, là. Vous avez vu? Utile, les rats ils fuient pas, là ils fuient. Je pense qu'ils commencent à savoir qui je suis et ils vont tous vouloir que j'aille vers Tac en vrai, c'est un piège. Ok, donc là ils vont me slam d'attaque et Tac il va. Ça va être mon casse-dalle de midi. Hein. C'est où je vous dise. Hop. Ok. Il faut que j'accède là-haut. Eh oui, mon pote, faut que tu accèdes là-haut. Mais c'est ça le problème. Comment y accéder? Ouais, je sais. Allez, c'est parti. Ouais, on voit ici, hein, c'est la forge. La fameuse forge qui est près du volcan pour ceux qui ont sorti depuis l'histoire. Donc c'est ici, hein, c'est quelque part ici qu'il y avait... Ok, ici, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est sûrement les derniers épisodes du jeu, les amis. J'ai pas mis de chrono. Ça fait quoi, 10 minutes qu'on joue? Allez, on va dire 10 minutes. Hein. Le problème du chrono, c'est que si je le mets pas, je ne sais plus on en est arrivé à combien de minutes et tout. Et que... Dès que les lits brillent, je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être le reflet de la lumière, je sais pas. On va prendre l'épée. Hein. Non, on va prendre l'épée quand même, parce que sinon... Ok. 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 On va essayer de faire attention à la sorte, on va essayer de se dépêcher. Ouais, ok. Ici. En fait, on a la carte, mais elle nous montre pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a pas de sauvegarde, ça c'est pas bon signe. Ou une grande porte. Il va y avoir que des rois ici. Hein. C'est des sous-chiffres à hein. Attaque. Ça se voit, hein, ils sont pas très forts. C'est des rois. Comment que lâcher un rang en 5 minutes? C'est des sous-chiffres. Nickel. C'est pas les seuls failles.
Hop. J'avais compris qu'on servait le carré, le point de le, enfin, le losange au milieu en vrai. J'ai jamais compris. C'est pour me perturber. Ça s'est raté, hein. Donc, de suite. Ok. Allez hop, ça dégage. Waouh. Mais qui nous tire des trucs comme ça? Ça, je crois pas. Regardez, ça, c'est des trucs qui nous donnent. Qui, vous savez pas, mais c'est des trucs qui nous font perdre de la vie gratuite. Je sais pas c'est qui fait ça, c'est chiant. Ah vas-y, mais les... en vrai ça va nous faire pas de la vie gratuite hein. C'est bizarre, c'est passé... On sait même pas d'où ça vient, ça explose tout. Allez bien, nickel. On se regagne un coffre. Ok, il y a une porte juste ici. Ok, c'est la porte ici qu'il faut qu'on... On va aller sauvegarder là-bas, il y a la zone de sauvegarde. On va aller juste sauvegarder. Si jamais... Nickel. Cette musique à sa sortante, c'est une musique de la fin, tu sais. Oh mon dieu. Regardez qui est là. T'enculé. C'est fini tes conneries. C'est fini tout ce que tu nous as fait. Je ne te laisserai pas te dresser sur mon chemin. T'as voulu raser notre peuple. Finissons-en une bonne. C'est fini pour toi, frère. Allez, Kai. Oh là 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 là. Les amis. C'est parti. Garde. Oh mon dieu, il y a pas de tout seul ci. Ok, c'est parti les amis, on affronte le méchant le plus fort, l'un des deux méchants les plus forts du jeu, les deux boss final. Allez, on leur met un bon coup d'éclair. Ok, ah oui, il fait mal, ah oui, d'accord, il se protège. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, tac, des fois il se protège, il faut faire attention les amis. Il va acheter des bombes, d'accord. Ah, il me laisse même pas le temps d'attaquer. C'est un lâche en vrai. Allez, ça dégage. Regardez, je peux. Oh, je lui mets une réplique. Il a compris. Il fait chier. Hein. Il se protège à 24 aussi et. Ouais, ça vient n'importe quoi. C'est l'anarchie totale dans le jeu. Allez tiens. Ok les amis, tac il met au mort. Tac il met au mort. Aïe. Mais aussi il fait perdre trop de vie. Il fait tout sauter à lui tout seul. Oh. Les amis, potion berserker. Et non. Ok, il est bientôt mort. Concentrez-vous. Il a pas les couilles de... C'est bon, on l'a eu. On a eu tac. On a tué l'Ova. Il s'en fout de toi. On a eu le ministre... On a eu le roi des rats. Nickel. Trouve le ministre Shen, ça y est, on va devoir trouver le grand chef du jeu. Bon, on prend les sous, évidemment, attendez. Oh, je me suis fait utiliser toutes mes potions, enfin. Ah, bien joué. Je suis le roi Tak. Il faut éliminer Kai, c'est un chat mauvais. Toi, tu resteras marqué dans l'histoire, espèce de sale chat l'alchimiste. Chat l'alchimiste. Tak l'alchimiste. On a battu le second.
en plus fort boss du jeu, je pense. Il était à peu près fort, ça va. Non, on va affronter le plus fort, il s'agit de Sean, le grand ministre des gorilles, le chef de toute cette bataille, de cette guerre. Celui qui a désigné notre peuple, c'est lui. Allez, c'est parti, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Ah oui, d'accord, il faut revenir en arrière, ok. Bon, c'est parti. Est-ce qu'on peut retourner au magasin, vous pensez, les amis? Parce qu'il va falloir y retourner, hein. Il va falloir y retourner. Parce que là, bon, j'ai pas mal de vie. Les vies, je les réserve pour Sean. Parce que c'est lui, sûrement, qui va nous faire le plus de dégâts dans les vies. On va peut-être pas réussir du premier coup, parce que je pense pas que c'est un boss très facile à affronter. Même si je doute pas de moi, hein. Je doute pas que je suis fort ou pas, c'est... Voilà, son point de dégâts. Mais là, pas un dégât de près. Hein. Ok, les amis. On s'en va. On s'en va de cette forge. J'espère vraiment qu'il y a un autre magasin dans un autre lieu. Puisque là, on se rend dans le volcan. C'est parti. Donc, on a oublié de louper deux coffres avec des portes vides. J'ai regardé. Hein. Donc, on est dans la merde. Les deux coffres qu'on a loupés, comme par hasard, c'est des portes vides. Pur hasard. Hein. Non, on va se le dire. Ok, on se rend dans le volcan. La rampe du chargement. D'accord. Donc on n'est pas dans le volcan du tout. Donc comme je vous l'ai dit, on était quasiment à la fin du jeu. Hein, je ne l'ai pas menti, on a affronté Tag. Donc c'est l'hiver qu'on est vraiment à la fin. Waouh, les amis, mais c'est abusé, histoire des tonneaux. Oui. C'est une blague. Attendez, je vais te remettre mon écouteur. Non, les gens vont pas m'entendre en vidéo. Ah, oh, me fait chier. Hop. C'est quoi ce mini-jeu là? Voilà. Ah, il y a un coffre, ça tombe bien qu'on est tombé en bas, cool. Avec des cœurs. Nickel. Je vais récupérer les cœurs, je viens de perdre mon con. Ok, moi je vais le repérer à nouveau. On a fait ça pour. On a vu qu'il y avait des coffres cachés fourbement encore dans ce niveau. Qu'est-ce que. Mais ce jeu il est buggé à fond, mais un truc de fou! C'est pas possible, mais saute frère, voilà! C'est toi qui me fais des tonneaux. C'est vraiment typique dans King Kong qu'ils nous ont fait. Ok, c'est parti. On pourra s'en sortir dans le volcan, je pense. J'espère. Ouais, on part dans le volcan, ça y est. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, nous voici arrivés dans le volcan. Regardez, en plus, on voit l'ambiance, c'est vraiment ambiance volcan. Oh. Ok, déjà, passage secret dès le début du niveau. Bien sûr, hein, là c'est vraiment le final, hein, je vous laisserai peut-être pendant le volcan et puis je vous retrouverai pour la suite des épisodes prochainement et puis on finira. Oh! Juste pour des beaucoup. Ouais, juste pour des beaucoup. Oh mais... Ok, bon. Il y a un magasin là-bas, on va y aller juste après. Ah, il rigole pas cet endroit. Hein. C'est pas le petit endroit qu'on a rencontré au début du jeu où on faisait le barbe. Mumuse avec les crapauds et compagnie. Les gorilles volant en ballon. Les sinistres singes suspendus. Qu'est-ce que... Alerte! Ah ouais, et encore des rangs en plus. Moi qui pensais qu'on avait battu le roi, le roi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Mais dites-moi, c'est carrément l'anarchie leur connerie. C'est n'importe quoi, c'est l'anarchie leur jeu. Puis quand on...
Voilà. Et puis quoi, on s'est dit, on va mettre des gorilles volants, qu'on va faire 50 000 de dégâts en 30 secondes. Je sais pas. Voilà. Allez, c'est parti, on prend des dégâts. Ok. Du coup, si je me rappelle bien, il y a un magasin. J'avais vu un magasin sur la carte. Le magasin, il faut y aller assez vite. Pour pouvoir vite donner de la vie, tout ça. Ok. Ok. Donc, on va par là. On va casser ces trois pots. Par contre, comment on va au magasin là? Il nous explique pas. C'était juste après, on en parle. Ouais, je pense. Allez, c'est parti. La première fois qu'on les a rencontrés, je crois que c'était dans le machin là. Ok, une vie. Ça, c'est pour affronter Sean, ça. On en a 20 pour affronter Sean, seulement. On va perdre une vie où? Oh, ah oui, contre le crabe. Oh, un lièvre. Comment ils vont les lièvres? C'est bien d'être revenu. Regarde ma fourrure comme elle est sale. J'y vais maintenant. Tu rentres à l'arbre lièvre. Oh, tu peux y aller à l'arbre lièvre, c'est tranquille. J'ai sauvé ça il y a maintenant 10-12 épisodes de ça. C'est vraiment, tu peux y aller, c'est tranquille. Hein. C'est sécurisé, mon pote. Non, parce qu'elle est pas au courant, hein. Comme vous l'avez pas compris, elle est dans le coin, elle est là depuis je sais pas combien de temps. Ok, donnez-moi des cœurs, des vies. Tout ce que vous voulez. Mais juste, qu'on élimine ces rares et compagnie. Ok, ça dégage. Il y a des gorilles en haut et tout en plus. C'est n'importe quoi ici. C'est le bordel, hein, c'est le bordel, vu de suite, c'est le bordel. Donc là, on est quoi? On est à 23, 24. On a même pas une demi-heure du dos. On est vraiment prêt à l'affronter, hein, Sean. Je pense qu'il est au bout, là. Il est au bout du truc. Ok. Ouais, ok. Ça va être facile. Nickel. Ce qu'on s'appelle battre les deux forces un jeu de ce lieu. C'est parti. Allez les gars, on va sculpter tous les gorilles un par un. Oui, je dis des 5, c'est des gorilles. Je me suis trompé, j'avoue. T'es puni, c'est ça? Oh, vous en battez toutes les couilles! Je me trompe, c'est pas très grave, on va dire. Oh! Eh non, il y en a un autre! Il y en a un autre! Il y en a un autre, les amis, j'étais pas au courant. Attendez. Ok, il était là. J'ai trouvé. Ok, on a fini la zone, tranquille. Oh purée! Pas facile, hein. Je kiffe parce que c'est pas facile et qu'on s'éclate. Enfin, on s'éclate. Là, c'est pas des lieux de bébé. Il y a beaucoup d'ennemis, on se repose jamais. Et il y a un magasin pas loin. Il faut mettre des bombes, non, croyez. Ah, il a le magasin. Ok, il fallait faire. Alors, le magasin, qu'est-ce qu'il nous vend? Ok. Je suis réputé pour mes armes. Élégante, après j'aimerais bien te vendre autre chose et tu as l'argent pour ça. Mais tes poches sont... Pardon? Attendez. Ça, et tous les boniacs, on s'en fout les couilles. Oui, je sais. Cette potion de soin est faite à base d'air. Ah oui, il me la faut. Parce que ce Sean, il va pas rigoler avec moi, je vous le dis de suite. Ok les amis, on continue un tout petit peu et puis on se laissera. Puis il restera plus que l'épisode final. Hein. Éruption volcanique. Dis, j'attends moi ton éruption volcanique. Voilà. Bon, elle était où ton éruption volcanique là?
Attendez, est-ce que c'est une phase... Attendez, c'est quoi cette grande porte là? Ah, c'est fermé. Faut pas y aller. Ok. C'est pas la bonne route. Ok. Si on est arrivé face du administration ou quoi? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Cette pince. Ok, va falloir qu'on active le bon interrupteur pour éteindre le feu qui est là. Ok, donc c'est celui-là qui est là. Non. Attendez, je comprends pas du tout. Comment on éteint le feu là-bas? Ok, leur énigme n'a aucun sens, attendez. Attendez. Ce n'est pas possible. Attendez, un truc qui me chiffonne là. Ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a fait ça? Ouais, ok, donc il faut mettre un truc ici. Attendez, il y a un truc qui va pas. Non, il y a un truc qui va pas. Lui c'est un. Quel intérêt que lui c'est un. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne comprends pas pourquoi lui c'est un et qu'il y en a qui s'éteignent pas. Attendez, je comprends rien à leur énigme là. C'est l'énigme la plus nulle du jeu. Attendez. Bon les amis, là je suis bloqué. Hein. Je suis bloqué à un truc de merde. Il y a un autre passage ici. C'est ici qu'il va falloir. Bref, c'est ici. C'est pas possible. On va livrer le panda. On a une demi-heure de jeu. Nous avons atteint la plage de Wallo. Ouais. Mais impossible d'ouvrir la porte. Ah ouais, je comprends pas. Ah oui, Lulas. Oui, c'est la petite la réponse. Il suffit de placer le coffre correctement. Le coffre correctement, mais attention aux flammes. Pourquoi attention aux flammes, mon pote? Qu'est-ce que t'as voulu me dire par attention aux flammes? Qu'as-tu voulu me dire par attention aux flammes? Il m'a donné une piste en vrai. Là, je viens de capter, il m'a donné une putain de piste. Il suffit de placer le coffre correctement, mais attention aux flammes. Il y a un truc qui est pas net dans leur histoire. Il y a un truc qui est pas net. Est-ce que vous pensez que on a loupé quelque chose? On a loupé quelque chose. Et vous avez vu, quand on vient ici, on se prend des dégâts. Non, c'est pas une histoire de bombe. Est-ce que c'est une histoire de bombe? Il va regarder, il va comprendre. Lui c'est un. Donc lui, on met une bombe. Non. Si lui c'est un, c'est qu'il veut nous dire quelque chose, lui. Je pense que lui c'est le début de quelque chose. Ok, et là il s'allumera pas. J'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé les amis. Ok, c'est le deuxième. Ok, c'est le troisième.
c'est quatrième. Oui! Oh purée les amis, j'ai compris qu'à la fin. J'ai mis du temps de comprendre, il y a un truc, c'est pas possible, il y a demi s'éteint et l'autre s'éteint pas. Ok. Oh bah c'est bon, on avance. Oh, fallait comprendre hein. Je me dis, il y en a qui vont pas me comprendre de suite. Hein. Moi j'ai pas compris de suite par exemple. Il y en a qui sont plus malins, ils vont comprendre dès le premier regard. Dès la première flamme. Moi j'ai pas compris. Bon bah on avance. C'est parti. Ouais, un panda. C'est lui qui s'est faufilé, je crois. Es-tu le seul à être faufilé par la porte? Oui. Oui, on dirait bien. Même si je ne suis pas le meilleur, cette fois, j'ai réussi. Ouais, GG, frère. Tu es le meilleur, Pan. Okay, tu vois, ah, mais c'est Pan. Nous ne pourrons avancer tant qu'il n'aura pas été déplacé. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Qu'en penses-tu? En vrai, lui, c'est... Comment dire? Il y avoir un mécanisme d'ouverture. C'est le chef. Oui, c'est le chef de l'avalanche. Un coup d'œil pendant que je garde le fort. Trouve les trois statues de chef pour déplacer le rocher. Vous faites chier. Là, vous faites chier vos statues de chef à la con. Hop. Donc, j'ai une statue de chef par ici. Ouais, il est là. Oh, toi, tu me vois casser les couilles. C'est bon avec tes bombes à la con. Ok, il y a une statue de chef ici. Ça commence bien. On est vraiment arrivé, hein. On est vraiment là. On a quelques pas du maître Shen. Enfin, du lieutenant Shen. Je me suis sacrifié pour l'honneur des chats. Normalement, on a activé un chat. Ouais, c'est bon. Ok, on y va. Ouais, je crois que ça nous écroule derrière nous, ça sera refait juste après. Coucou, c'est moi, je suis Kai. Ok, bon, ouais. Attention, protégez la statue de chat. Ouais. Oh, des ours, ça fait longtemps. Attends, on va réunir les ours avec moi. Eh les gars, je suis là. Allez, on s'est dégagé tous les ennemis de la base de la zone. Qui se souvient pas des ours? Ok. Ah, ils sont pas mauvais, hein. Ils ont pas mis des ennemis de merde dans cette zone, en vrai. J'expliquerai après pourquoi. Ils ont vraiment bien fait d'avoir mis les ours, je trouve. Pas pour nous, hein. Pour nous, les ours, c'est... Ça, on va faut retourner au magasin, après. Faut remettre de l'armure, c'est pas possible. On a la fin du jeu, on a rien à perdre à dépenser de l'argent, je vous le dis de suite. Au contraire, l'argent, c'est pour affronter plusieurs fois le maître Shen, je pense. Ok, de toute façon, il ne reste plus qu'un chat activé, et puis on se laissera là, les amis, à ce moment après. On est à la fin, quasiment. Le prochain épisode, c'est la fin, je pense. Non, on finit encore l'épisode 16, hein, je pense, comme les Quacamini. Ça surprend, parce qu'on a 20 épisodes, mais non, pas. Ok, on repart en arrière. C'est parti. Ah, non, je pensais qu'on allait se faire attaquer ou quoi. Est-ce qu'on... Ouais, on va faire la dernière statue de chien, on va peut-être retourner au magasin et se laisser. Ok, hein, vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de difficultés à avancer dans le truc. Et là, on aurait tardé un gros boss, vraiment un boss mythique de la saga. Ok, on a descendu tout ce qu'il fallait descendre, je pense. Et en plus, vous voyez, juste après, c'est une grande route qui amène jusqu'à Shen, je pense. Donc on va. Vous auriez bien dit, on l'affronte aujourd'hui, vous voyez, mais je suis pas sûr de le battre ou quoi. Et puis, c'est pas ça, c'est pas que j'ai envie de vous laisser dans. J'ai envie de vous laisser dans l'épisode spécial final, vous voyez. Même si on met 5-10 minutes, comme pourquoi, comme il dit, bah ça va 5-10 minutes, écoutez. On retourne juste au magasin et on se laisse, les amis, hein, je vous dis de suite. Le magasin qui se situe en arrière. Ok. Bon, on va au magasin et on se laisse. Il est juste ici, ce magasin. Hop. Oui, je sais.
suis réputé pour mes armes. Tu as besoin d'aide? Je te propose l'astuce du jour. Cela t'aidera à progresser. Il manque escalier conduisant à l'extérieur du volcan, mais également vers le royaume démoniaque. D'accord. Bref, les amis, nous voici devant ce magasin. J'espère que ça vous aura plu l'épisode 15. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Merci pour la vidéo pour vous montrer ce que vous avez pensé du Let's Play de Play, parce que ça va finir le prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode final. Et ciao tout le monde. Peace.